Voilà. Là, il y a le son. C'est bon. Normalement, vous m'entendez. J'avais oublié d'ouvrir Voice Mode. Donc, c'est pour ça. Excusez-moi, j'ai pris l'apéro. Je suis pas 100% opérationnelle. Hein. Faut me pardonner. Comment vous allez? Comment vous allez bien, les gens? J'ai même pas eu le temps de regarder le live de vendredi, qu'il y a déjà du nouveau. Oui, attendez, je mets mes lunettes parce que là, c'est un peu compliqué. Ah, mais elles sont dégueulasses. J'ai collé mes vieux doigts tout pourris dessus, là. Ça va toujours quand tu es en live. Oh, Aline, t'es un amour. Capoute de chez Capoute. Faut se reposer, Zignel. Faut se reposer. Après, c'est peut-être dur aussi de se reposer. Peut-être ça. Bah, on me banne injustement. Je dis bonsoir, mais c'est pas grave, je vais bien. T'as été ban? Tu le butrolles? Bah, ça me semble bizarre. Elle est excellente, cette femme. Oh, comme c'est gentil. Même pas eu le temps de manger. Ouais, je commence le live plus tôt. Comme ça, j'ai l'espoir de finir plus tôt. Ouais, je suis une grande, une grande rêveuse. Je suis désolée pour la toux. Viens là, Serge. Je commence à être malade. Merci la clim. J'ai pas eu le temps d'y réfléchir, celui-là. J'ai pas arrêté de la journée, pour être honnête. Comme je disais, j'ai. Oh, Merlonchon, merci, t'es un amour. J'ai eu un petit souci de ruisseau, de boue. Non, mais arrêtez sur TikTok, là. Non, on vise pas les 100K, c'est bon. La clim ou la tempête? Non, la clim. À chaque fois, tous les étés, je me tape des angines blanches à cause de la clim. Et là, quand on est allé à Peaugres, j'ai mis la clim et je me suis dit, hey, c'est exceptionnel, j'ai pas. J'ai pas mal à la gorge. Et en fait, bah si. Ça a commencé samedi tout doucement, hier. Et puis aujourd'hui, bah là, je commence à avoir très mal. Les sinus un peu pris. Oh. Donc oui, Élise, ouais. Mes petits aléas de la vie, ruisseau, boue et tout ce qui s'ensuit. Ah, c'est déprimant. En tout cas, bravo et continue. Mais merci. Mais vous vous rendez pas compte, pour vous, c'est juste un tout petit message comme ça. Mais vous vous rendez pas compte le bien que ça me fait de me dire que j'ai du soutien et que vous êtes là et ça fait du bien, vraiment. De me dire déjà avant, comme je vous ai dit, ça fait 3 ans quand même que je traque les brouteurs, que je suis vraiment spécialisée là-dedans. Avant, je le faisais en anonymat chez moi. Et en fait, là, d'avoir en plus votre soutien, mais ça m'apporte. Ça me motive encore plus à continuer à me dire non mais je lâcherai pas, je lâcherai pas. Maintenant il y a des gens en plus qui m'encouragent. Donc je peux pas lâcher, je peux pas abandonner. Et nous alors, ça nous fait un bien fou, on rigole, on se sent utilisé. Oh mais vous êtes chou. Vous êtes adorable. Clim du boulot en panne, j'ai crevé de chaud toute la journée. Aïe ma pauvre, ça doit être douloureux. Bravo à toi, merci Mika, c'est adorable. C'est normal, t'es exceptionnel. Mon Nico, je te fais des bisous, toi. Tu as complètement raison de les piéger. Oh, merci beaucoup. Vous êtes adorable, mais vous êtes d'une gentillesse, là, ce soir. Qu'est-ce qui arrive, là? Vous m'envoyez une vague d'amour? T'es mon rayon de soleil par ce temps triste. Oh Gigi, t'es trop chou. Arrêtez, je suis émotionnelle et en plus de ça, j'ai un verre de rosé dans le nez là. Donc s'il vous plaît. Hein. Vous êtes trop chou. Oh, excusez-moi. Nous, on a une bière dans le nez. Mais oui, mais c'est l'apéro. Et outre l'utilité de la prévention, tes lives sont parfaits pour éliminer les journées moroses. Merci d'être simplement toi. Oh, mais vous êtes vraiment trop chou. Hein. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis.
Oui, encore une fois, j'ai reçu un petit colis. Et je tenais à vous le montrer, parce que c'est quelqu'un qui est actuellement sur Twitch. C'est quelqu'un qui fait des créations absolument exceptionnelles. C'est magnifique, hein, c'est tout fait main, fait cœur, hein. Et donc aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis et je voulais vous le montrer. Donc attendez que j'avance mon gros fiac. Voilà, ça va mieux. Regardez-moi ça. Regardez comme cette petite belette est absolument trop chou. Regardez-moi ça comme elle est belle. Donc on dit un énorme bravo à Sully. C'est elle qui a fait ce travail exceptionnel pour cette petite belette d'amour. Donc vous pouvez dire un grand bravo à Sully parce qu'elle n'est pas trop belle. J'adore, j'en suis trop fan. Vraiment. Envoyez plein de GG et de félicitations à Sully parce que c'est quand même du boulot, c'est du travail. Et c'est de l'investissement personnel. Et vraiment, moi, les gens comme ça qui mettent leur cœur et leur âme dans leur création et quand ça se ressent en plus, vraiment bravo. Bravo, 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 Sully, c'est juste magnifique. Oh bah là, Sully, t'as des félicitations de partout. Une belette qui mérite de devenir mascotte aux côtés de Terton. Oh, Terton, elle me sort par les trous de nez, je vous jure. Je peux plus la dicave. Encore une fois de plus, je vous le dis, je suis désolée pour la toux. Mais je commence vraiment, vraiment à avoir mal à la gorge. Je commence. Fraise Lover, c'est. Oui, c'est soi-disant José habite à Lyon. Elle a encore fait des bêtises? Non, elle n'a pas fait des bêtises. Mais par exemple, tout à l'heure, il y a Bidule qui a voulu aller manger et elle l'a attaqué. Mais attaqué! Et du coup, il s'est mis à gueuler. J'ai été obligée de jeter Terton en dehors de la salle de bain, m'enfermer dans la salle de bain avec Bidule et rester assise comme ça sur le chiotte, à le regarder en attendant qu'il finisse de manger pour être sûre que Bidule puisse manger. Je peux te créer des stickers si tu souhaites. Alors ça m'intéresse beaucoup, Warcott. Parce que comme je vous le redis encore une fois de plus, je n'ai pas oublié l'idée du concours pour vous faire gagner des petits cadeaux, des petits goodies belettes. Donc je n'ai pas oublié. Pour l'instant, j'ai eu l'idée du mug, j'ai eu l'idée du petit porte-clés belette aussi. Des stickers, ça pourrait être sympa. J'avais aussi pensé à des. C'était à quoi que j'avais pensé? Je sais même plus. À des porte-clés. Des porte-clés comme style en résine époxyde, parce que Kali qui fait ça. Enfin bref. Du coup, j'avais. Voilà. C'est toujours d'actualité. Si je trouve un modèle de belette, je peux te tricoter un pull belette. Merlochon, si tu fais ça, je te le promets. Je te le jure même que le pull belette, je le porte à Noël. On oublie la tenue de soirée et à Noël, je porte le pull belette. Même sans concours, une petite boutique, ce serait pas mal pour pouvoir te soutenir. Alors, j'y ai jamais pensé. Je vous cache pas, parce que comme je vous ai dit. Ça fait 3 ans que je traque les brouteurs, ça fait 3 ans que je fais ça. Là, je fais des lives, je n'ai pas du à aucun moment j'ai pensé faire ça pour de l'argent, à aucun moment j'ai pensé ça en me disant ah tiens, ça pourrait me refaire une rentrée d'argent. Non, c'est simplement que je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien, ce serait un moyen de prévention exceptionnel. Les belettes peuvent vous le dire, parce qu'à chaque fois que je voyais qu'il y avait de plus en plus d'abonnés sur TikTok, je me disais. C'est merveilleux parce qu'en fait, c'est de plus en plus de personnes qui sont informées, qui sont courants de ça, qui sont courants des brouteurs et qui sont prévenus. Et c'est un moyen de prévention absolument exceptionnel. Et c'est ça que je voulais en fait à la base. C'était pouvoir me servir des réseaux comme Twitch, comme TikTok pour faire énormément de prévention, pour prévenir les gens au max. Parce que c'est vraiment la seule chose qui m'importe. Bernie le Beauf, je suis tellement fan de ton pseudo.
Et donc voilà, c'était. C'était vraiment dans cet état d'esprit de me dire bah, voilà, je vais faire des lives, des choses comme ça, je vais faire des vidéos et puis ça fera de la prévention. Tu nous as jamais rien demandé, pas d'argent, rien, à part te soutenir dans tes délires. C'est tout à fait ça, Balourde. Enfin, vraiment, comme vous savez, je vous demande jamais rien. Je vous demanderai vraiment jamais rien. La seule chose actuellement que je vous ai demandé, et c'est vraiment la seule chose, c'est de mettre la double authentification sur vos comptes. C'est la seule chose que je vous ai demandé. C'est de protéger vos comptes sur les réseaux. C'est tout. Sinon, vraiment, je vous demanderai rien. Après, il faudrait que je réfléchisse. Oui. À l'idée de faire une petite boutique, j'y avais jamais pensé. Faudrait que je me penche là-dessus. Si tu fais un concours, tu peux nous faire gagner des coupons PCS. Je peux vous faire gagner un coupon PCS dédicacé par José, si vous voulez. Oui, mais nous, on veut te soutenir. Vous êtes adorable. Élise, vous êtes absolument adorable. Ce serait génial, un pull belette. Ce serait exceptionnel. Un porte-clés I love José. Je veux tes cons de ouf. Ah, le tes cons de ouf, il est génial. Ouh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce lien, attendez, je veux voir c'est quoi. Oh, il est sympa! Mais je préférerais un pull tricoté, histoire qu'on soit dans du kitsch. Moi, je veux un CD avec la musique pour Marie. Une belette sur une autruche. Ce serait une bonne idée, ça. J'ai vu qu'il y a aussi des brouteurs sur TikTok. Mais Clélia, il y en a de partout. Sur TikTok, c'est leur nouveau vivier, ça. Il y en a de partout. La peluche autruche avec José dessus. En plus, elle est tellement belle, cette peluche autruche, franchement. Elle a la classe, Géraldine, non? Regardez-moi ça. Puis alors, mes enfants ont joué avec et ils lui ont fait un trou pile au bon endroit, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes où? Je vous entends beugler mais je vous vois pas les chats. Terton! Attendez, elle est en train d'attaquer Bidule. Tu dégages! Non mais oh! Mais qu'elle est chiante! Mais toi aussi, Bidule, défonce-lui la tronche! T'as des griffes, moi j'en ai pas! Casse-lui la gueule à ce petit machin là! Putain, toi t'as des griffes, moi j'en ai pas! Alors il va falloir au bout d'un moment, t'arrives à casser la gueule à des rats, à les buter. Va falloir penser, mon gars, à porter ces couronnes que t'as plus parce que t'es castré, mais il va falloir au bout d'un moment assumer, hein! Et puis t'imposer en tant que mâle dominant. Tu vas pas te laisser faire parce que cette espèce de boule de poil là, elle fait même pas 1 kg. Sérieux, Bidule, reprends-toi en main là. Oh, tu me fais quoi là? Non mais sérieux. Non, t'en fais pas. T'es dans mes bras, elle va rien te faire. C'est une petite saloperie, hein. T'as vu, elle est venue te traquer pour te casser la gueule. T'en fais pas, je suis là. Coach en chat, mais c'est ça. Ah mon Bidule. Tu fais comme ça, tu sors tes griffes, dès qu'elle s'approche, tu lui fais schlac dans la gueule comme ça. T'en fais pas, elle reviendra pas. Hein. Allez, impose-toi, d'accord? Tu t'imposes, ma motte de beurre. Ah, c'est pas parce que t'es sponsorisé par Saint-Hubert 41 qu'il faut se laisser aller, mon gars, d'accord? Allez, on se ressaisit là. On fait le bonhomme. Oh, t'es une motte de beurre ou t'es pas une motte de beurre? Vas-y, défonce-la. Super conseil pour le chat. José Président dans toute la France. C'est dingue, mon compte date de quelques jours. Au pire, la motte de beurre s'assoit sur Terton et c'est réglé. Mais c'est ça, mais il est tellement gentil ce chat. Mais vraiment, hein, il est d'une gentillesse, vous vous rendez pas compte. Il se fait casser la gueule par le mini machin, il dit rien, il gueule. Il n'ose pas se rebiffer. Attends, moi je serai à sa place, je lui lacérerai la tronche. Parce qu'en plus, il m'a crevé un rat.
Oh, comme ça, le rat. J'étais trop fière de lui. J'étais trop fière de lui. Un jour, il va te ramener une belette. Oh, c'est fort possible. Il m'a ramené une pie un jour. Était devant la fenêtre de la salle à manger. Je le vois et je lui dis, oh, une minute, mon gars. C'était le matin, je voulais aller me servir un café. Je lui dis, une minute, mon gars, je me sers un café. Il va devant la fenêtre de la cuisine et puis il miaulait. Et puis, ah, c'est bon, je viens t'ouvrir. Et je vais ouvrir. Il m'avait ramené une pie. Mais une pie, vous savez. Merci, Choupinou. Si Marie revient en France, j'espère qu'on sera invité. Cérémonie de mariage. Ouais. On va faire ça. De toute façon, je prends toujours un peu le temps de parler avec vous, mais on va passer sur Marie, parce que Marie est en panique. Marie a eu un souci, apparemment. Marie veut son homme. Oui, allez, c'est parti. Allons voir Marie. C'était quoi ce petit bruit? Merci beaucoup, Clo-Clo. Merci beaucoup, Clo-Clo. J'ai la voix qui commence à me flancher. C'est adorable. Merci, merci, merci beaucoup. Vous vous rendez compte qu'avec vos bêtises, on a presque bouclé le niveau 4 du Hype Challenge là, de actuel. Vous êtes quand même assez incroyable. Vraiment, vous êtes niveau soutien, j'ai envie de vous dire. Là, vous êtes au summum. Oh là 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 là, José. Bonsoir, je viens d'arriver. Le live a commencé plus tôt. J'ai raté quoi? Rien du tout, le Davidou. No stress. Pour l'instant, rien du tout. On a papoté de tout, de rien. Donc vraiment, merci beaucoup, Warcott. Vraiment adorable. Dis-lui que tu as bouché les WC, du coup, inondation. Ce serait possible, en plus, avec les photos que j'ai. Merci beaucoup, Clo-Clo. Vraiment, vous êtes excellent. Vous êtes excellent. J'aurais jamais pensé déjà atteindre ne serait-ce le niveau 3 du Hype Challenge. Hein. Vous êtes comme ça. Alors, notre petite Marie. Hop là, notre petit Marie. Donc, en sachant que j'ai fait un live, c'était quand? Bah, hier. Hier. Donc, hier soir, je crois que les derniers vocaux, c'était quand j'étais aux chiottes. Hein. Attendez, je vais couper ça pour que vous puissiez entendre. J'ai presque fini, Marie. Une dernière poussée. J'ai presque fini. Oui, c'était ça. On a fini avec Marie en étant coincée aux chiottes. C'est bien ça. Il a essayé de m'appeler. Il m'a demandé si j'étais là. Il a essayé de m'appeler. Il a essayé de m'appeler. Il a essayé de m'appeler. Ensuite, il a essayé de m'appeler. 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 José, s'il te plaît. José, je suis en panique, tu es où? Bonne nuit mon amour, je t'aime, s'il te plaît, appelle-moi demain, aujourd'hui. Bonjour chérie, tu as bien dormi? José, appelle-moi si tu es là. Bonsoir José. José, j'ai un souci. Il m'a dit, je lui ai répondu, Marie, j'arrive chez moi et je t'appelle ma chérie d'amour. T'en fais pas, ton José là. Voilà. Et il m'a dit... Vous disposez d'un temps limité pour obtenir des émoticônes? J'ai pas compris. Bon. Donc on en était arrêté là. Marie a un souci. À la base, je voulais pas faire de live ce soir. Je vous cache pas, je m'étais dit, oh, ça peut attendre demain. Mais, quelqu'un m'a rappelé que demain, il y a l'Alain qui fait son live. Donc, du coup, bah, j'ai fait un live ce soir. Oui, Nouille, quand je parle de ça, du Hype Challenge, c'est sur Twitch. Toute l'interface que tu vois là actuellement, Nouille, c'est l'interface de Twitch. En fait, tout ça, le décor et tout, c'est Twitch. J'ai simplement activé la caméra virtuelle pour pouvoir faire un live aussi en même temps sur TikTok. C'est tout. Et quand du coup je parle du Hype Challenge, je parle de Twitch. Demain soir, les belettes seront chez Lalin. J'espère bien. J'espère vraiment. Vraiment, vraiment. Allez, on va appeler Marie.
Faut que je réactive la voix. Mon WhatsApp, il est où? Je ne l'ai même pas ouvert. Non, je ne l'ai même pas ouvert. Bah non. Il est là. On va essayer d'appeler Marie. Hop, Marie. Non, écoute mon message d'abord. J'ai pas vu ton message, attends. Je suis désolée si j'ai ma voix qui commence à partir en quéquette. Et il est où ton message? Ah, c'est là. Bonjour Monsieur Beauvais, j'espérais vous avoir directement, mais je tombe sur votre répondeur. Ici c'est le maire de Lyon. Je vous appelle car j'ai appris que vous avez été marié par le père Sylvestre vendredi soir concernant une épouse qui s'appelle Marie. Ça se passe plus du tout comme ça en France actuellement, Monsieur Beauvais. Les prêtres ne peuvent plus marier directement deux personnes. Il faut passer en mairie obligatoirement. J'ai appris que c'était aussi lié à un virement. Ce virement est bien entendu suspendu autant que le mariage soit en règle. Donc je vous invite à passer demain ou après-demain à la mairie pendant les heures d'ouverture pour qu'on puisse mettre en règle ce mariage. Bien évidemment, vous venez avec vos papiers d'identité, les papiers d'identité de votre épouse, et on va pouvoir mettre ça en règle. Et puis dès que c'est fait, au bout de 2-3 jours, on pourra libérer le virement une fois qu'on a tout contrôlé. J'attends de vos nouvelles, Monsieur Beauvais. J'espère qu'on se voit demain. À bientôt, bonne journée. Tu es exceptionnel. Je vais pouvoir lui faire écouter. C'est quelqu'un du Discord qui m'a fait le... Du Discord et du Twitch qui m'a fait ce... Ce bouquin. José, comment va l'autruche? À merveille. Géraldine se porte à merveille. Merci beaucoup, Warcott. Merci, 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 merci. Allez, on va essayer de rappeler Marie maintenant. Je vais pouvoir lui faire écouter le message vocal. Non, c'est pas Géraldine qui est morte, c'est une autre. Géraldine, il la balade pas en voiture. Merci Chromate N5. Tu es un amour. Absolument adorable. Merci beaucoup. On va faire un vocal à Marie. Écoute Marie, j'essaye de t'appeler. Ça fait déjà 2 fois, tu réponds pas. Au bout de la 3e fois, je risque de commencer à m'énerver. T'as intérêt à répondre la prochaine fois que j'appelle, hein. C'était mon côté mal alpha. Vous comprenez, faut que je m'impose. J'ai posé mes couronnes sur le bureau, là. Attendez, on va pas se laisser impressionner par une femelle de bas étage. Vous avez reçu un émoticône. Oh. Marie, il se gît dessus, là. Marie, je pense qu'il commence à en avoir marre de moi. Et je peux partager ça, chouchou. D'accord, ok. Faut taper sur le clavier aussi. Oh. On voit lui, Terton, lui péter les chevilles. Mais c'est ça, je vais lui envoyer Terton, ça va le détendre, la détendre direct, Marie. Là. Commence à nous faire chier à faire sa majorette, hein, celle-là. Merci beaucoup, Joffkoff, c'est ça, alors, je clique juste parce que ça dit, vous avez reçu un émoticône, du coup, je partage vos trucs, et c'est pour ça que vous voyez écrit chouchou. D'ailleurs, on va se remettre comme ça. Comme ça, ils pourront aussi voir. Ah bah, il y a Marie qui appelle, attendez. Putain! Putain, elle répond enfin. Marie! Mon homme. J'étais super inquiet là, pourquoi tu répondais pas?
Désolé, mon téléphone est en charge, je n'ai pas vu. Oh, d'accord. Comment tu vas? Tu m'as dit que tu avais un petit souci. Oui, j'avais un petit mal au ventre. Ah putain, t'as mangé des piments? J'avais. Oui, j'ai Ah, mangé ça un peu de pue ça. piment aujourd'hui. Ah, il faut pas manger de piments, Marie. Tiens, moi c'est pareil, quand je mange des piments, après Et puis, je scie tu et parles au ça me brûle supermarché? l'anus. Tu parles au supermarché? Ouais, je peux aller au supermarché, tu veux que je fasse quoi? Ben, j'ai cru. Je crois que là-bas on vend des cartes. Tu peux aller acheter des cartes pour venir. Des cartes quoi? Des cartes. N'importe quelle carte que tu vois. Amazon, PCS, iTunes. Des cartes postales, des trucs comme ça, ouais. Oui, je veux. Non, des cartes, des coupons. Au supermarché on vend des coupons. Ah oui, d'accord, bah, je peux aller voir. Eh bien, si tu t'en vas, tu es sûr que tu peux aller directement. Tu vas pas faire des dégâts sur la route comme d'habitude. T'exagères, je fais pas toujours des dégâts sur la route, hein. Des fois j'en fais dans les champs, des fois j'en fais dans des magasins, je fais pas que des Et dégâts sur la bon, route. eh bien, le Bitcoin, tu as vu comment on peut envoyer de l'argent? Oui, alors non, pas spécialement. Hier, je suis resté quand même un sacré bout de temps sur les WC et à tel point je me suis endormi sur les WC. Tu peux voir comment on essaie d'envoyer de l'argent? Oui, Tu peux essayer? je vais regarder ça. Ok, tu regardes et tu me fais signe? Oui, je te fais un petit signe de la main comme ça. Ah, mais ça, je Non, suis con, tu tu ne me vois m'appelles. pas. Ah, oui, c'est Tu vrai. Oui, m'appelles. excuse-moi. Oui, je te rappelle. Je vais regarder ça et je te rappelle, d'accord? Ok. Bisous, ma couille. Bisous. Lui ai raccroché au nez. Tu pourrais lui dire que tu t'es trompé d'adresse des bitcoins en l'envoyant. Ouais, je pourrais. Avec toutes les photos envoyées par José, Marie n'envoie jamais rien. Une petite photo. Ah ouais, ce serait bien. Mais là, je vais attendre. Je vais lui dire. Par contre, Marie, je viens d'écouter mon répondeur et j'ai un petit souci. Tu pourrais être à l'article de la mort que Marie te demanderait où s'en est avec les coupons. Et donc les cartes, ça va soigner son mal de ventre. Ben peut-être qu'avec la carte, elle va, je sais pas, faire des choses que qu'on ne veut pas savoir, mais qui vont la déboucher. Je pense que c'est ça. Marie, ça ne fait pas un mois qu'il réclame ses coupons. Un mois? Marie, ça fait depuis le mois de mai que je lui parle, depuis le 20 mai exactement. Donc, je dis dans 13 jours, ça fera 3 mois tout pile que je lui parle. Faut lui conseiller Imodium. Imodium Blackwell, ouais, c'est ça. J'ai passé quelques minutes et puis je vais la rappeler. Elle est tellement désespérée que maintenant, elle est prête à prendre n'importe quelle carte, c'est ça. José. Marie, par contre, en raccrochant, j'ai vu qu'il y avait un message vocal et c'était le maire de Lyon. Du coup, je te fais quand même écouter parce que ça me fait souci. Quel message? Bonjour Monsieur Beauvais, j'espérais vous avoir directement, mais je tombe sur votre répondeur. Ici, c'est le maire de Lyon. Je vous appelle car j'ai appris que vous avez été marié par le père Sylvestre vendredi soir, concernant une épouse qui s'appelle Marie. Ça se passe plus du tout comme ça en France actuellement, Monsieur Beauvais. Les prêtres ne peuvent plus marier directement deux personnes. Il faut passer en mairie obligatoirement. J'ai appris que c'était aussi lié à un virement. Bah, ce virement est bien entendu suspendu autant que le mariage soit en règle. Donc, je vous invite à passer demain ou après-demain à la mairie pendant les heures d'ouverture pour qu'on puisse mettre en règle ce mariage. Bien évidemment, vous venez avec vos papiers d'identité, les papiers d'identité de votre épouse, et on va pouvoir mettre ça en règle. Et puis, dès que c'est fait, au bout de 2-3 jours, on pourra libérer le virement une fois qu'on a tout contrôlé. J'attends de vos nouvelles, Monsieur Beauvais. J'espère qu'on se voit demain. À bientôt. Bonne journée. Il va Allô falloir que tu José, viennes c'est me bon? voir. Il va falloir que tu viennes me voir, Marie, Je avec ta carte d'identité pour qu'on puisse ne peux valider. pas.
Eh bien, quand je suis venu en séjour, j'ai tout perdu. Eh bien, le virement, c'est bon, tu peux annuler, c'est bon. T'as perdu ta carte d'identité? Oui, pour Oh cela, je là suis un là peu là ici. là, mais tu vas faire comment pour rentrer en Belgique? T'as besoin de ta carte pour prendre Je vais l'avion? rentrer. Oui, je vais rentrer, je vais rentrer. Je vais refaire une carte ici et je Oh rentre. là 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 là, mais Marie, Non, non, c'est pas de souci. Mais Marie, Ne te fais si pas de tu soucis, restes s'il te coincée plaît. là-bas, tu sais que moi, quand même, je me suis fait enfiler par une meute quand j'étais en Côte d'Ivoire, Non, je vais. c'était affreux. Il m'avait Je vais encerclé dans venir, je un. vais rentrer. Ils m'avaient Je vais encerclé rentrer. Je dans vais, un s'il te quartier de plaît. Yamoussoukro. Ils m'ont fait tourner, pire qu'une toupie. C'était affreux. Marie. José. Marie, José. putain, José. je m'inquiète. José. Je t'ai dit, ne te mets pas en stress, s'il te plaît, comme ça, moi, ça me met en colère aussi. Mais ça me stresse. Dis-moi. Ah, putain, j'hyperventile. Je vais rentrer. Rentre, Je vais voir mon Marie. passeport. Il faut que tu rentres. J'ai déjà mon passeport, je vais voir. Faut que tu rentres. S'il te plaît, rentre vite. Ne reste pas là-bas. Tu sais, il fait beau en France Oui, aussi. Il y a mon la passeport est météo. là. Oui. Allô, La météo, José, ils mon disent qu'il va passeport est faire là. beau. Allô, José, mon Oui. passeport est là. Ah, ça me Ne rassure, te ça me mets fait pas. peur. C'est bon. Ne te mets pas en stress, s'il Attends, te je plaît. Mon respire. passeport est là, je vais rentrer. Attends, attends, je Eh respire. ben. Je respire. Je respire pour me calmer. Je vais faire la respiration du petit chien. Comment ils font les chiens pour respirer comme ça? Ça me défonce le cerveau. C'est bon, c'est bon, c'est C'est bon. bon, j'arrête, C'est j'arrête. bon, comme toi, c'est bon. Je C'est me bon. calme. Eh ben, Je vais s'étouffer avec le ma barbe. virement, c'est bon. Le virement, c'est bon, tu peux arrêter. Tu peux tout laisser tomber. On est mariés comme ça, c'est bon. Oui, S'il on te est plaît. mariés, c'est un prêtre, c'est le père Sylvestre qui nous a mariés. On est Voilà. mariés. Je vais lui casser la gueule Marié. à ce maire. Je vais C'est lui fini. casser, je vais C'est lui casser fini. la gueule au maire. C'est fini. Le Je. virement, c'est bon. Qu'il prenne le virement, c'est bon. Ils peuvent Bon. se foutre où je pense le virement. Tu C'est restes ma bon, c'est femme. bon. T'es ma Oui, ben. propriété à partir de maintenant. Et si. Les bitcoins, tu as vu comment envoyer de l'argent? Ah, j'ai pas eu le temps de regarder. À peine j'ai raccroché avec toi, C'est bon, bon, j'ai vu que j'avais. laisse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu peux sortir par le supermarché pour aller voir les cartes? D'accord. Bah écoute, je laisse-moi mettre mes bottes en caoutchouc et j'y vais. Ben, ne raccroche pas, tu peux les mettre. Ah bah ça va être compliqué là. Tu veux que je pose le téléphone et Ok, j'essaye de bon. les enfiler? Ok. Ok, tu déposes et tu vas au supermarché D'accord. directement, s'il te plaît. Je sais que tu vas D'accord. au supermarché directement. Je te fais un vocal pour te dire à chaque étape, quand je suis dans la rue, quand, et tout. Je te dis tout, Ok. Marie. Pas de soucis. Tu peux compter sur José. Ok, Parole de José. donc je peux brancher mon téléphone Tu comme peux il est brancher ton déchargé. téléphone. Vas-y. Ok, pas de souci. Merci, José. Mais je t'en prie, Marie. Tu vas au supermarché et tu regardes les cartes, tu m'achètes une carte ici. Je vais voir. Je t'en prends même Ok? 4. Des 4. Oui, pas de soucis. Ok, pas de souci. Merci, José. Bisous, ma couille. Bon, et s'il te plaît, une minute. Quoi? José, Oui. eh ben, comme tu as la carte bleue, eh ben, tu peux voir le lien coupant PCS. Je sais que ça ne va pas arriver chez Lily encore. Ah bah ça, c'est pas le choix là. C'est elle qui a les codes de vérification. Mais je peux lui demander de revenir si tu veux. Tu veux que je demande à Lily de revenir pour pouvoir faire un coupon PCS? Allô, José? Oui. Eh bien, le code ne va pas arriver chez Lily. Si, il arrive toujours chez Lily, mais je peux lui demander de venir. Elle habite la maison à côté et puis de toute façon, elle n'a pas Non, de vie. non, c'est bon. Elle va venir faire du scandale. Eh bien, moi aussi, ça va m'énerver. Ouais, elle C'est est bon, charrée. tu Je peux suis laisser. d'accord avec toi. Elle est un peu pignée au pipi, celle-là. Ok, donc tu emballes tout et tu vas au supermarché, tu m'achètes tes cartes. Je mets mes bottes en caoutchouc et je Ok. t'achète 4x4. Ok, Ok. merci, tu peux couper. Bisous. Bisous, ma couille. Bisous, bisous. Oh, donc c'est bon, il n'y a pas besoin de valider le mariage à la mairie. Tout va bien. Il est quand même fabuleux, ce brouteur. Hein. Tu emballes tout, ouais. Les bottes en caoutchouc. À chaque fois, je lui dis qu'il faut que je mette mes bottes en caoutchouc. Ça lui pose pas de problème. Le mec, José, se balade toujours aux bottes en caoutchouc. Il n'y a absolument aucun problème.
José décide de mettre le feu à la mairie de Lyon. Mais c'est une super idée, ça. C'est une super idée. Du coup, je fais appel à tous ceux du Discord, les pros du photomontage. Est-ce que vous pourriez m'envoyer une photo d'un bâtiment en feu? On va foutre le feu à la mairie de Lyon. C'est parti. Puis on va faire accidentellement tomber les cartes dans le feu. Parce qu'on va faire une danse de la joie devant la mairie de Lyon en feu. C'était le fauteuil ou c'était le chat qui a gueulé? Carton! Caston! Putain! Mais qu'elle me saoule! Tu te casses de là! Tu le laisses! Noméo! Ça va, Pitule? Eh bien, affirme-toi aussi, toi, hein! Oh, toi, t'as des griffes, hein! Non, mais. Mais ouais, mais bon, mon gars! Casse-toi, toi! Psst! File de là! T'en fais pas. Excusez-moi, hein, mais bon. Oh, sublime! Incroyable! Tu dégages! Tu laisses Bidule tranquille! Attendez, je surveille Terton. Hein. Franchement, tu récupères une vidéo des émeutes et tu enregistres par-dessus sa page, je pense. C'est une bonne idée, ça. attendez, je vais essayer de trouver ça. Faut que je trouve une vidéo des Dans émeutes. Cette vidéo... Oui, vas-y, bats-toi avec ta tondeuse, on s'en fout, toi. Si je mets émeute 2023, feu. Depuis 3 jours, les soirées se suivent et se ressemblent. Non. Pas ça. Ça. Non. Non. Là. Non. Faut que ce soit une vidéo. Mais il y a toujours un truc d'écrit dessus. Du coup, pour la télécharger, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas qu'il y ait d'écriture. Il faut que j'arrive à trouver une vidéo sans écriture. Juste une vidéo. Ça va être compliqué. Tu... Putain! Tu files de là! Allez, c'est grugé. T'as vu comme il est beau, Sento, regarde. Regarde-moi cette petite beauté. T'es comme il est beau. Ah, ils ont brûlé la mairie de Bordeaux. On peut essayer avec ça alors. La mairie de Bordeaux. Ah, ils avaient brûlé la mairie de Bordeaux. Ouais, c'est vrai. On va essayer de trouver ça. Il faut que je trouve une vidéo de... Mais, alors, je vais taper mairie de Bordeaux. Mairie de Bordeaux en feu. Là, celle-là, elle peut être pas mal. Non. Je vais télécharger celle-là, copier le lien. Parfait, elle sera superbe celle-là. Attendez, je vais télécharger cette vidéo. Il va falloir que j'enlève le son. J'en ai trouvé une superbe.
Voilà, 100 filigranes. Parfait. Hop. Galerie. Tchouk. Modifier. On va mettre des écritures. Texte. Hop. J'ai brûlé. Elle va me détester, Marie. J'ai brûlé la mairie. On est tranquille, Marie. C'est tellement logique de dire ça. On est tranquille, Marie. Tac, tac, tac. Voilà, terminé. Voilà, et je mets qu'à ça. Parfait. Voilà. Enregistrement de la vidéo. Quand on a un problème, on brûle le problème. C'est tout à fait ça. Le feu règle tous les soucis. Bon, tu sais de quoi je parle là, là, hein? Que le feu règle tous les soucis. Alors maintenant, il faudrait que je trouve un bruit de feu. Bruit de feu. Comme ça, je le colle dessus. Un bruit de cheminée avec les bois qui crépitent. Tiens, ouais, c'est une bonne idée, ça. Genre ça, fais voir. Non, pas celui-là. Celui-là, peut-être. Il est bien, celui-là. Allez, on va prendre celui-là. Moi, j'ai dit que c'était celui-là. Hop. Excusez-moi pour la toux, hein. Comme je vous ai redit, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, je commence à être malade. Ambiance relaxe devant une mairie en feu, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, c'était quoi le site déjà, c'était... Je retrouve, je sais plus. Voilà, c'est là. Coller. Hop. Télécharger. Télécharger. Voilà. Hop. Non, c'était pas celui-là. Oh, je sais plus. Je sais plus c'est quelle application. Vous savez, c'est quelle application pour télécharger une musique depuis YouTube? Je me rappelle plus. Des. Que tu pourrais, faudrait que tu m'envoies des mes dessins pour les. Oula! J'ai pas compris. Dès que tu pourras, faudrait que je t'envoie des mes dessins pour les sticker, savoir ce que tu recherches en émotion. J'ai rien compris. Je suis désolée, mais j'ai rien compris.
Hop là. En gros, la personne t'enverra une planche de stickers pour savoir ce que tu aimes. Ah, d'accord. Il faudrait que tu rejoignes le Discord, ce serait plus simple. 2 mois sur Marir, entre-temps, il aurait pu faire énormément de choses. Ouais, c'est dommage, un peu. On lui a un peu pris énormément de temps. Et du coup, il n'a pas pu arnaquer d'autres personnes. C'est tellement dommage. On est très triste. Bon, on va quand même faire un petit vocal à Marir pour lui dire qu'on est en route. Attendez. Alors, on avait dit que c'était. Donc, on va d'abord mettre celui-là. C'est bon, Marie, je pars de chez moi, je me mets en route, je vais au supermarché. Bonsoir, ça va? Comment? Oula, tu vas bien, tu es en bonne santé? Bah oui, super bien, enfin non, un petit peu malade là. Mais ça va. J'ai le moral, c'est plus important. Tac. Alors. Ah, celui-là, ça fait un moment qu'il peut plus arnaquer. Non, puis je prends énormément de temps, quoi. Hop. Coller. Tac. Hop. Hop, donne l'autre. Oh, non! Pourquoi j'ai plus donne l'autre là maintenant? Plus. Non. Je peux pas télécharger? Je peux plus télécharger. Oh. Je vérifie sur l'ordinateur. Je t'ai envoyé un photomontage, l'intérieur de la mairie. Oh là là, fabuleux. Faut que j'aille voir ça. Juste un instant. Je télécharge ma musique. Enfin, je cherche. Tac, tac, tac. On va essayer ça. Non, c'est là. Tac. Tac. Coller. Coller. Ah, c'est quoi que j'ai téléchargé? Tu voyais, une musique. Une musique, on s'en fout. Nous, on veut la musique. On a dit télécharger une musique de YouTube. On va voir ça. Je suis sur le Discord. José va brûler une mairie. Oui, José va brûler une mairie. Voilà. Application. Musique YouTube. Alors. Il te faut la vidéo de l'hôtel de ville où les portes ont été incendiées pendant les manifs. Mais j'ai trouvé une super vidéo. Mais il faut juste que, en fait, j'enlève le son qu'il y avait dessus.
On va essayer ça. Hop là, installé. José qui brûle une mairie, un jour ordinaire chez José. C'est tout à fait ça. Bon. Marie a entendu mon vocal. Donc, on va pouvoir lui en faire un autre. Hop. On va pouvoir faire ça. Ouais, c'est parti. Marie, ça y est, je suis arrivée en ville. Je me dirige vers le supermarché. Mais puis je suis arrivée en ville, tout le monde change de trottoir. C'est un truc de fou. Hop, en audio. Donne l'autre. Ouais, c'est bon. Je crois que c'est bon. On va y arriver. Est-ce que le téléchargement s'est lancé ou pas? Je regarde, hein, excusez-moi. On n'a pas besoin que ce soit si gros. Est-ce que là c'est bon? Du coup, on va voir si j'ai réussi. Musique en arrière-plan, autorisée. C'est quoi ça? Attendez. Non, ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Bon. Quand ça brûle, tu devrais dire c'est pour Marie. Ouais, mais il faudrait que j'arrive à faire tout ça et je sais pas si je suis totalement apte en fait à faire tout ça. Rechercher. J'ai dit rechercher. Rechercher. Dans. Non, c'est pas ça. Non. Tu refais la fausse info. C'est ici qu'un déséquilibré a mis le feu. Ouais, ça peut être sympa, ça aussi. Alors. Non, mais normalement, ça aurait dû se télécharger, quoi. Je comprends pas. Non, oh, ça agit plus. Oh. Toute façon, il n'a pas écouté le dernier vocal. Et là-dedans, il n'y a pas un bruit de feu. Ah, mais de toute façon, on s'en fout, je l'ai pas sur téléphone. Donc, on s'en tape. Hop. En chantant au mari, si tu savais, j'ai allumé le feu. On cale de musique dedans. Convertisseur, YouTube musique, télécharger musique, musique downloader. On va essayer ça, tiens, hop. On essaye tout ça. J'ai mis sur le Discord les stickers ce que j'ai fait pour mon boulot. D'accord. J'irai regarder après le live, hein, promis. Par contre, je suis hyper pas du tout centrée là. Ouais, ça va mieux là quand même. J'étais sur le côté de la webcam. Je suis vachement basse. Okay. Va au supermarché, marché.
On va au supermarché marcher, d'accord, les gens? On va au supermarché marcher. Il y a même Géraldine. Ah, il faut que j'aille voir ça. Attends. Alors, fais voir. Dans photomontage, je vais aller voir. Il y a même des autruches. Elle brûle bien. Et celle-là, ça donne quoi? Oh, Scorpio, elle est fabuleuse cette vidéo. Enregistré. Et non mais j'ai le bruit du feu derrière qui s'est mis en route là, ça se passe comment là? Dégage toi. Download. Audio. On va mettre comme ça. Normalement, ça doit être bon. Oui. Ça y est. Allez. Est-ce qu'il fait nuit dehors? Non, pas encore. Bon, on va attendre alors. Donc, il faut qu'on aille au supermarché marché. Alors, je vais quand même remettre le bruit de rire. Oui, Marie, juste un instant, j'ai un cocktail Molotov à jeter quelque part qui va nous rendre service à toi et moi, et après je vais au supermarché. C'est tout à fait normal de dire ça à quelqu'un. J'ai un cocktail Molotov à jeter quelque part. Allez, on réessaye. Donc on a dit pour la musique, ajouter une musique en arrière-plan. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Oh, mais ça se classe pas par ordre. Ah, bah là, ça va être compliqué, hein, parce que j'ai plein d'audio là. Oh, ouais, ça va être trop compliqué. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'autre détraqué d'une archi. Donc, c'est pas ça. Album. Non. Je sais pas où c'est. Mais j'ai pas là. Le tri en fonction de la date, j'aimerais bien, mais j'ai pas. Alors, vous savez quoi? Je vais pas me prendre la tête. Juste baisser le son. On va le faire à l'ancienne. C'est bon, ça me prend la tête. Donc, ah mince, mais non. On retourne là-dessus. Et on va taper. J'avais tapé quoi? Bruit de feu. Bruit de feu. C'est ça. Voilà. Et c'était celui-là. On va aller dans... Faut pas que je tousse à ce moment-là.
Ce serait con que je pourrisse tout à ce moment-là. Hop là. C'est bon, tu peux t'éteindre le feu. Oh bah, il s'appelle comment? Bah, il est passé où? C'est celui-là. Oh, il est très bien. Voilà. Alors. Comment il s'appelait déjà? C'est pas celui-là? Non, c'est pas celui-là. Marie qui va dire oh là là José, il va me défoncer, elle va me défoncer Marie, vous vous en doutez bien. Modifier. On a dit plus. Et ce serait dans rechercher. Et ce serait dans album. Comment j'ai fait tout à l'heure? Album. Audio record. Non, c'est pas ça. Et vraiment, je suis vraiment nulle, hein. Non, c'est pas ça. Mais n'oublie pas d'aller au supermarché. Oui, d'ailleurs, elle nous dit quoi, Marie? Est-ce qu'elle a répondu? Non. Elle n'a pas encore répondu à mes derniers messages pour le cocktail Molotov. Donc ça va, on a encore le temps. Caméra, download, musique, 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 downloader, notification. Ah, ça doit peut-être ça. Non. C'est pas ça. Non. Non. Ah. Je l'ai trouvé. Hihihi. C'est merveilleux. Elle est fabuleuse, hein. Enregistré. Je vais pouvoir lui envoyer ça. C'est bon. J'ai fait ma vidéo. Je pense que José peut tout faire. Ouais. José peut clairement tout faire. Et là, en plus, je vais pouvoir lui envoyer deux vidéos consécutives. Hein, parce qu'il y a la vidéo que le vrai Scorpio m'a trouvée. Plus la vidéo de moi. Et après, je pourrais même lui montrer les vidéos de. Oh là là, super! Enregistré. Super. J'ajoute aussi le bruit de feu en plus si tu veux. Non, faut que j'arrive. Faut juste que j'arrive maintenant à trouver comment ajouter ma voix dessus. En fait. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. Je crois qu'il faudrait que je fasse un vocal. Ajouter une musique en arrière-plan et je peux pas faire. Enregistré là, non? Je sais pas.
Est-ce qu'un prout de José peut contribuer à renforcer le feu? Évidemment, il va péter dessus comme un fou. José en plein montage, ouais, c'est ça. Je suis en train de faire des montages foireux pour Marie. Au Cento, les trucs brûlés là, franchement, c'est énorme. Alors attendez, j'essaye de suivre. Hop là, dans 15 minutes, je suis chez moi si tu veux. Je t'en fais un en 2-2. Mais il faut que ce soit ma voix, il faut que ce soit la voix de José en disant Marie, j'ai cramé la mairie, comme ça on est tranquille. Faut que d'ailleurs, je vais m'enregistrer en train de dire ça, et puis je vais refaire exactement ce que je venais de faire. Voilà. Marie, je viens de cramer la mairie, comme ça on est tranquille, on n'a plus de problème. Voilà. Et on va y coller sur une autre vidéo. Non, désolé, hein, pour les montages. Rajoute. Il y a un tag sur le mur, José et Marie Forever. Ouais, il faudrait. Et bon, déjà, c'est déjà tellement absurde que. C'était dans quoi que j'avais trouvé? C'était là-dedans? Voilà, donc ça va être dans celui-là. Marie, je viens de cramer. C'est bon. Et là, si je mets play. Je viens de cramer la mairie, comme ça on est tranquille, on n'a plus de problème. Marie, je viens de cramer la mairie, comme ça on est tranquille, on n'a plus de problème. Marie, je viens de cramer la mairie, comme ça on est tranquille, on n'a plus de problème. Oh, c'est merveilleux. C'est fabuleux, on y croit, même moi j'y crois. Tu es arrivé au supermarché? Je vais lui envoyer celle-là, la première. Je vais lui envoyer celle-là, elle est trop fabuleuse. Je veux trop vous la montrer. On va dire qu'il fait nuit dehors. Attendez, je vérifie avant. Marie, je viens de cramer la mairie, comme ça on est tranquille, on n'a plus de problème. Marie, je viens de cramer la mairie, comme ça on est tranquille, on n'a plus de problème. Merveilleux. Je vais vous montrer ça. Attendez, je coupe le son ici et je vous montre. Alors, attendez. Hop. Hop. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Marie, je viens de cramer la mairie, comme ça on est tranquille, on n'a plus de problème. Voilà. C'est bon, c'est assez convaincant pour vous? Marie, je viens de cramer la mairie, comme ça on est tranquille, on n'a plus de problème. Je pense que c'est parfait, hein. On est au top là. Marie va m'insulter. Vous êtes au courant quand même. Marie va me détester. Du José tout craché, c'est tout à fait ça. Et maintenant, je lui envoie la petite vidéo, la deuxième, où je lui dis, j'ai foutu le feu à la mairie. Ah, mais même celle-là, il faudrait que j'ajoute ma voix. Attendez, je vais refaire un vocal. Ça a tout brûlé, comme ça, ils nous font plus chier avec leur carte d'identité de merde. Enregistré. Et je vais la coller sur l'autre vidéo. C'était sur celle-là. Modifier. Son. Oh là là, elle m'a envoyé un vocal. Attendez, je finis ça d'abord. Maintenant que je sais faire. On avait dit que c'était dans là-dedans. Ça a tout brûlé. On va voir. Avec leur carte d'identité de merde. Ça a tout brûlé comme ça, ils me font plus chier avec leur carte d'identité de merde. Fabuleux.
Ils vont. Attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Je sais, je t'ai dit de ne pas faire de dégâts. Tu as fait quoi en cours? Tu m'as mis dans les problèmes en cours. Attendez, j'envoie la deuxième vidéo parce qu'elle est fabuleuse. Je vais vous la montrer, évidemment. C'est celle-là. On va vérifier. Ça a tout brûlé comme ça, ils me font plus chier avec leur carte d'identité de merde. Ils vont t'attraper, José. Allez, c'est parti. Je vous montre aussi celle-là. Attendez, si je me mets comme ça, bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir. Hein. Ça a tout brûlé. Hop. Attendez un instant. Regardez. Ça a tout brûlé comme ça, ils nous ont plus chier avec leur carte d'identité de merde. Avec la poubelle dans la porte et tout. Tout ça pour une carte d'identité. José devient de plus en plus violent. Ça a tout brûlé comme ça, ils nous ont plus chier avec leur carte d'identité de merde. Non mais Marie va me détester. Tu nous as mis encore dans les problèmes. Mais non, Marie. Marie, elle est stressée, hein. Elle est pas marrante, Marie. Elle est un peu rabat-joie, Marie. On peut pas foutre le feu à des endroits tranquillement. Vous avez vu comme elle est, elle rouspète. Y a pas un bruit de feu là-dedans? C'est quoi ça? Non, pas feu. Oui. C'est toi qui as fait ça? Eh oui, quand j'en laisse tranquille pour la charge d'identité. Ils et vont plus et nous faire chier. Eh bien, ils vont te mettre en prison. Mais ils vont pas me mettre en prison, ils savent pas que je suis moi, que c'est moi. Ils sont partis en courant, c'est juste que c'est en train de faire des bouchons parce que c'est en train de tout brûler. Tu dis quoi? Ah, oh, c'est à cause des klaxons. Attends, je m'éloigne un petit peu. Attends. Je te disais, Marie. Ils t'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. J'ai juste jeté le cocktail Molotov dedans. Je te jure, Marie. Je suis arrivée devant la mairie, elle s'est fermée. Et les caméras. Je l'avais débranché. Tu sais, moi, quand j'ai fait les scouts, ça m'a servi. Hein. Eh bien, José, tu nous as mis dans le problème. Ils vont te mettre en prison. Mais non, t'en fais pas, Marie. De toute façon, là, c'est bon, je suis déjà partie. Je suis plus devant la mairie. Là, je me rends au supermarché. Ok, pas de souci. T'en fais pas, Marie, je gère. Mais au moins, comme j'ai ça... J'ai craint pour toi encore, ils vont te mettre en prison encore. Mais non, Marie, c'est bon, t'es stressé, un pète un coup, t'es tout tendu, hein. Ok, pas de souci, j'ai compris. Je vais au supermarché, d'accord? Ils t'ont pas... Ils t'ont chiqué, ils t'ont pas vu. Je te jure, Marie, ils m'ont pas vu. Je te jure. Ok, pas de souci. Et tu arrives... Ok, pas de souci, va au supermarché, tu vas avoir les cartes et tu marches. D'accord, je te rappelle que j'y suis. Pour que mon cœur soit tranquille. Oui, s'en fais pas, Marie. S'en fais pas. Ton José, okay. Prends soin de toi. Ok, pas ceci, merci. Bisous, ma cou. Tu te dépêches? Je me dépêche. Mais me stresse pas après, je pète. Ok, pas ceci, désolé. Bisous. J'ai peur quand t'attrapes pour cela. J'ai quoi? J'ai dit, j'ai peur pour toi, j'ai craint. Mais non, s'en fais pas, José, il est vaillant. Ok, pas de souci, tu peux aller. D'accord, je te rappelle. Va au supermarché directement. Oui, j'y vais. S'il te plaît. J'y vais. Ok. Bisous, ma pute. On peut foutre le feu avec Marie. On peut foutre le feu avec Marie, tant qu'on se fait pas prendre, tout va bien. Donc tu m'as dit. Tu m'as dit quoi, Victor? J'ai vu. Qu'est-ce qu'il m'a dit, mon petit Victor adoré?
J'ai pas eu le temps de voir. Cache-toi. Non, c'était pas ça. Tu parlais de BFM TV, je sais plus. J'ai pas eu le temps de voir. Je t'ai fait une vidéo, tu vas adorer, elle est sur le Discord. Oh, je veux voir ça, c'est dans les quoi, les montages? Je veux voir ça. Un Lyonnais mécontent brûle la mairie pour sa femme marier. Un Lyonnais s'appelant José a mis le feu à la mairie de Lyon pour se venger d'un refus de mariage avec sa femme marier célébré par le célèbre père Sylvestre de Lyon. Non mais ça... Victor, c'est exceptionnel ce que tu viens de me faire. Vais lui envoyer ça. Vous allez voir hein, en plus parce qu'il a mis les images de BFM avec le bandeau en dessous et tout. Avec écrit, un Lyonnais s'appelant José a mis le feu à la mairie de Lyon pour se venger d'un refus de mariage avec sa femme Marie, célébré par le célèbre père Sylvestre de Lyon. Elle est fabuleuse. Ça va tuer Marie, ouais. Montage avec la tête de José sur toutes les télés de supermarché. Ouais, déjà, on va faire un truc avec beaucoup de bruit. Attendez, ça, c'est pas... Non, il n'y a pas assez de bruit. Non. Faut qu'il y ait du bruit. On va remettre les klaxons et Marie. Non, ça c'était plus. On va peut-être mettre même un petit peu plus fort les klaxons. Voilà. Marie, je crois que c'est sans fin de compte. Ils savent qui je suis. Je suis en train de passer à la télé. Hop là, enregistré. Et je lui envoie, je veux vous montrer cette pépite. Je veux vous montrer cette pépite. Attends, je vais vous montrer. C'est parti. Un lion. Attendez. Ne vous rendez compte quand même ce qu'on est en train d'infliger à Marie. Hop, c'est parti. Attendez, il faut que je coupe ça, sinon ça fait doublon. S'appelant José a mis le feu à la mairie de Lyon pour se venger d'un refus de mariage avec sa femme Marie célébré par le célèbre père Sylvestre de Lyon. Je la remets, c'est trop Un magique. Lyonnais s'appelant José a mis le feu à la mairie de Lyon pour se venger d'un refus de mariage avec sa femme Marie célébré par le célèbre père Sylvestre de Lyon. Marie est en train d'enregistrer un vocal. Un Lyonnais s'appelant Ah José a mince. mis le... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Voilà. Attendez, qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien, je t'ai dit, je ne vais pas avoir de soucis avec quelqu'un. Je t'ai pas allé. Pardon, hein, pour le... Je m'en sers, Marie, je suis dans le supermarché. De toute façon, ils savent pas où je suis, alors je leur pisse au cul, je vais aller acheter ces cartes. Voilà. Serait-ce une rupture? Non, attends, j'ai volé une voiture de flic, j'ai cassé la vitrine d'un fleuriste, j'ai volé une voiture de flic, j'ai tué une autruche, j'ai fait exploser un robot, j'ai foutu le feu à un stand de donuts. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, José? Je sais même plus. Et aussi, je ne veux pas que tu donnes mes coordonnées à quelqu'un. Je pousse là, je t'ai parlé, Josie. Je t'ai parlé de rester tranquille.
Marie recommence à stresser. On va lui faire un petit circuit. C'est bon, je suis juste allée dans le tram parce qu'il y avait des voitures de police qui tournaient, alors je suis descendue dans le métro, je me cache un moment et après je remonte dans le supermarché. Mais ça me fait pas marrer, je vais bientôt rester. José prêt à tout pour acheter des cartes à Marie. Un retour du commissaire serait génial. Ouais, je pense qu'on va bientôt lui en renvoyer le commissaire. T'es une génie. Je suis complètement débile. C'est pas du génie, c'est de la débilité profonde tout ça. Ok. C'est tout à fait normal. Alors, non, là, il n'y a rien d'intéressant, on avait dit. Ah, oh, juste pour le souvenir. C'est juste en souvenir du petit robot. C'est bon, j'arrête. J'avais trop aimé le petit robot. Je pense que là, il y a moyen que Marie recommence à en avoir marre hein, de moi quand même. Hein. Non, c'était pas ça. C'était dans quoi? Le robot, oui. En 3 mois, il a gagné 0 €. En 3 mois, je lui ai fait perdre un temps avec des vraies victimes. C'est quand même assez incroyable. Refaire un reportage BFM avec le titre « Mais qui est cette Marie ?» Si on fait ça, on va le perdre. Il va se dire « Là, ça commence vraiment trop à craindre. » C'était pas là-dedans. Je sais plus c'était dans quoi. Je me rappelle plus. Oh là là. Ah bah déjà il y a ça là. Je sais pas qui a fait le vidéo montage, mais c'est excellent, ce bonhomme est très doué. C'est Victor. C'est notre Victor de compète qui nous a fait ça. Commissaire Tapin connaît Marie, bien sûr. Je pense qu'on va faire appeler le commissaire Tapin et on va demander à Marie de mentir pour nous. Je te prépare un flash spécial de Europe 1. Oh putain. Non mais vous mettez le paquet là les gars. Et de Lyon pour se venger. Pourquoi ne pas faire une banderole avec le nom Marie, c'est pour toi. Non mais je pense qu'on va faire intervenir le commissaire Tapin. Hein. Et c'est quoi le vocal que t'as envoyé toi? Ce comportement est honteux. Une personne que j'ai appelée aujourd'hui avec bienveillance pour régulariser son mariage et qui ce soir, en acte de vengeance, met le feu à la mairie. Mais la République est bafouée. Bien évidemment, la police va faire le nécessaire pour que cette personne soit traquée. Et bien évidemment, l'épouse, hein, Marie, va aussi être trouvée. Et ce crime... De deux couples est inacceptable. La justice doit se faire au plus vite. La mairie était un haut lieu de la ville de Lyon et il est inacceptable d'en arriver à ce genre de situation. Oh là, Marie là va me bloquer si je lui envoie ça.
Faut lui faire un vocal avec des bruits d'hélico en fond. Rends-toi, Josette, t'es cernée. Mais j'ai pas ça, ce serait trop bien. Vous êtes des fous furieux, mais complets, mais vous vous rendez compte ce qu'on lui inflige? Marie, on a foutu le feu. Ah, le reportage, maintenant c'est Sento. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Sento? Vous écoutez Europe 1, la radio de l'information. Bienvenue à notre flash spécial. Nous avons une actualité brûlante en provenance de Lyon. Selon les dernières informations, un incendie spectaculaire s'est déclaré à la mairie de Lyon. Et les faits sont pour le moins surprenants. D'après nos sources, cet incendie serait l'œuvre d'un dénommé José, suite à un refus d'acceptation de son mariage par les autorités municipales. Et pourtant, ironie du sort, le père Sylvestre lui aurait donné son consentement. Les motivations exactes de José restent encore floues, mais une chose est sûre, cette affaire suscite de vives réactions dans la région. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi une telle tragédie autour d'un mariage? Nos équipes sont sur le terrain pour recueillir les témoignages des protagonistes et des témoins de cet incident inédit. Nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations seront disponibles. Restez connectés sur Europe 1 pour suivre en direct l'évolution de cette situation. Nous vous rappelons que la prudence est de mise et que la spéculation n'a pas sa place dans de tels événements. Vous écoutez Europe 1, toute l'information en continu, et nous reviendrons vers vous dès que nous aurons des développements sur cette affaire incendiaire à Lyon. Je vais lui envoyer ça. Je vais lui faire écouter. Marie, je me suis cassée, mais il y a la radio et ça parle de moi. Écoute. Vous écoutez Europe 1, la radio de l'information. Bienvenue à notre flash spécial. Nous avons une actualité brûlante en provenance de Lyon. Selon les dernières informations, un incendie spectaculaire s'est déclaré à la mairie de Lyon. Et les faits sont pour le moins surprenants. D'après nos sources, cet incendie serait l'œuvre d'un dénommé José. Ouais, José Bouvet, espèce de connard, il sort même pas mon nom de famille. Par les autorités municipales. Et pourtant, ironie du sort, le père Sylvestre lui aurait donné son consentement. Oui, il était gentil, les motivations exactes de José restent encore floues, mais une chose est sûre, cette affaire suscite de vives réactions dans la région. Comment en est-on arrivé là? C'est qu'une mairie, pourquoi là, une telle tragédie autour d'un mariage? Nos équipes sont sur le terrain pour recueillir les témoignages des protagonistes et des témoins de cet incident inédit. Nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations seront disponibles. Restez connectés Marie, sur Europe. Je pense qu'ils en font un peu trop, en direct bon, l'évolution de cette situation. Nous vous rappelons que la prudence est de mise et que la spéculation n'a pas sa place dans de tels événements. Vous écoutez Europe 1, toute l'information en continu. Oh là là, et nous reviendrons vers vous dès que nous aurons des développements sur cette affaire incendiaire à Lyon. Ils sont fous, Marie, hein, t'as vu ça? Ils parlent de moi aussi à la radio, ils sont tarés, hein. Oh mon Dieu. J'en suis sûre qu'en plus, il y avait une des autruches, elle me semblait pas très crédible. J'en suis sûre que c'était un flic dans un déguisement d'autruche qui m'espionnait. J'en suis intimement convaincue. Bruit d'hélicoptère en approche. Fais voir. C'est parti, je refais un vocal. Bon, Marie, je redescends dans le métro parce que là, il y a quand même un hélicoptère qui tourne au-dessus de moi, là, et ça me fait un petit peu peur. Je redescends dans le métro, le temps que tout ça se calme. Et une fois que ça s'est calmé, promis, je retourne au supermarché t'acheter les cartes. Hein, ça ne fait pas, Marie. T'auras les cartes. Je te promets, je t'aime, ma couille. Je veux écouter ça. Bon, Marie, je redescends dans le métro parce que là, il y a quand même un hélicoptère qui tourne au-dessus de moi, là, et ça me fait un petit peu peur. Je redescends dans le métro, le temps que tout ça se calme. Et une fois que ça s'est calmé, promis, je retourne au supermarché t'acheter les cartes. Hein, ça ne fait pas, Marie. T'auras les cartes. Je te promets, je t'aime, ma couille. Marie va me détester. L'immersion, non mais c'est ça, on va rappeler Marie. On va rappeler Marie, on s'en fout. Donc on va remettre ça. Et on va
Marie? C'est bon, je suis dans le métro, je... Tu dois... Oui, faut te cacher jusqu'à ce que tout cesse et tu rentres à la maison pour aller te coucher. S'il te plaît. D'accord, je reste dans le métro, je te cache. Oui. Oui, on ne parle plus. On ne parle plus. Tu dois éteindre ton téléphone et tu restes caché. Il faut que j'essaye le téléphone aussi. Oui. Oh, ça, je... Ou bien j'ai trouvé une petite pièce, je viens de me cacher dedans. Ok, bon. Bon, on ne doit pas parler, sinon... Peut-être ils vont écouter nos conversations, tu comprends? Ah oui, je comprends. Il faut que j'éteigne le téléphone, alors? Non, on te laisse. Bon, n'éteins pas le téléphone, tu laisses. Et tu restes caché jusqu'à ce que tu cesses. Et une fois que tu es à la maison, tu me fais signe. D'accord, alors je vais juste rester encore un petit moment dans le métro parce que là il y avait l'hélicoptère qui tournait au-dessus de moi et ça me fait un petit peu peur. Mais dès que l'hélicoptère il est parti, je connais toutes les petites traboules, tu sais, dans Lyon. Je vais passer d'après les traboules et je vais pouvoir rentrer. Il a raccroché. Apparemment, il aime pas le mot traboule. Ouais, j'ai la gorge qui commence à prendre sa. Il y a un audio d'interview pour toi. Oh punaise, qu'est-ce que vous m'avez encore pondu? Europe 1. Encore? Vous êtes toujours sur Europe 1, la radio qui vous informe en temps réel. Nouveau développement dans l'affaire de l'incendie à la mairie de Lyon. Le maire de la ville, René Kikoule, a témoigné de son mécontentement suite à l'incident survenu il y a tout juste quelques instants. Lors d'un appel exclusif accordé à notre équipe, il a confié que le nécessaire serait fait. Voici l'appel. Ce comportement est honteux. Une personne que j'ai appelée aujourd'hui avec bienveillance pour régulariser son mariage et qui ce soir... Je vais lui faire un vocal. Il faut qu'il entende ça. René Kikoule. Marie, il parle encore de moi à la radio, là, ça devient chiant, je te fais écouter. Vous êtes toujours sur Europe 1, la radio qui vous informe en temps réel. Nouveau développement dans l'affaire de l'incendie à la mairie de Lyon. Le maire de la ville, René Kikoule, a témoigné de son mécontentement suite à l'incident survenu il y a tout juste quelques instants. Lors d'un appel exclusif accordé à notre équipe, il a confié que le nécessaire serait fait. Voici l'appel. Ce comportement est honteux. Une personne que j'ai appelée aujourd'hui avec bienveillance pour régulariser son mariage... Connard de merde, de merde. En acte de vengeance, mais le feu à la mairie, mais la République est bafouée. Bien évidemment, la police va faire le nécessaire pour que cette personne soit traquée. Vous mourrez pas, bande de connards. L'épouse, hein, Marie, va aussi être trouvée. Vous la trouverez jamais, ma chérie. C'est scandaleux. T'as vu ce qu'ils disent sur nous, Marie? Ils nous traitent comme des voyous alors qu'on n'est pas du tout ça. Il l'a pas entendu ce message-là. Non, il l'a pas entendu celui-là. Celui-là, je lui avais pas fait écouter. Je lui avais fait écouter le Europe 1 et je lui avais fait écouter le premier message du maire. Qui avait laissé un message vocal à José. Après, je lui ai fait écouter Europe 1. Et là, du coup, je lui ai fait réécouter Europe 1 avec le message du maire. Avec l'interview du maire. Il va demander le divorce de peur. On est mariés, je vais lui dire. On est mariés. Vous êtes des fous furieux, hein, quand même. René qui coule. Il reçoit même pas mon vocal, je pense qu'il est en train un peu de se faire caca dessus quand même. Hein. Bonnie and Clyde, c'est ça. C'était quoi ce vocal? Bon, Marie, on se retient. Ah oui, c'est l'hélicoptère. Je pense honnêtement qu'on n'aura plus de nouvelles de Marie pour la soirée. Ah ouais, merci beaucoup Fraise Lover pour ce soi-disant interview de du maire, c'est exceptionnel.
C'est lui qui a éteint son portable, c'est ça. Je pense que de toute manière, on n'aura plus de nouvelles de Marir ce soir. Ce qui en soi m'arrange parce que moi, je suis d'équerre. Je suis crevée de chez crevée. Et en plus, j'ai la gorge qui commence à lâcher. Je pense qu'on a fait assez de bordel pour ce soir quand même avec Marir. Hein. C'est bon. Marir, clairement, va me détester. Putain, mais je suis blanche comme un cul avec la... Ah mais sinon c'est à cause de toi. C'est à cause de toi ça, on va faire qu'à ça. Ah bah oui, tout de suite, quand il n'y a pas l'écran blanc de Google, ça va mieux. Ouais, grosse émotion pour Marir là, hein, mais là je pense que... À chaque fois on se dit on n'ira pas plus loin. Depuis qu'on avait quand même volé une voiture de flic, fait passer une autruche à travers le pare-brise, qu'on a fait exploser un robot... qu'on a fini sous tranquillisant pour chevaux, je me dis, de toute façon, on ne pourrait pas aller plus loin que ça. Ben si, on peut foutre le feu à la mairie de Lyon. Pour pas avoir à aller là-bas avec notre carte d'identité. Vous avez vu comme c'est dingue, ça? Il flippe grave, Marir. Peur qu'il doit retrouver avec tes appels et messages. Bien sûr qu'il a peur, là. Je le ferai... Mais je pense que pas demain, parce que demain... Oh, excusez-moi. Demain, je suis le live de l'Alain. Mais mercredi, on lui enverra le commissaire Tapin. Hein, parce que c'était bien aussi avec le commissaire Tapin. Et comme ça, je pourrais à nouveau dire « Roland, coupe la sirène !» J'aime bien dire ça. Mais il va capter un jour, j'espère. Le but, c'est pas qu'il capte. Le but, c'est que... C'est pas qu'il sache que je me fous de sa gueule. Le but, c'est qu'il se dise... ce José, il est trop... Il est trop niqué de la tête, j'en obtiendrai rien. Mais pas qu'il capte. S'il capte que je me fous de sa gueule, après, derrière, il sera méfiant. Auprès de ses prochaines victimes. Donc le but, c'est pas qu'il capte que je me fous de sa gueule. Avec le commissaire tape 1, on tape 1. Le live de l'Alain, c'est où? TikTok ou Twitch? L'Alain ne peut pas, pour le moment, faire de live sur TikTok. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller suivre sa chaîne sur TikTok. C'est l'Alain tiré du 8, là. Twitch, l'Alain Twitch, s'il vous plaît. Allez le suivre parce que quand il sera à 1000 followers, il pourra faire du multistream. Il pourra faire des lives autant sur Twitch que sur TikTok aussi. Donc l'Alain, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui fait exactement comme moi. Et lui, il incarne une petite mamie qui s'appelle Mathilde. Donc si vous voulez découvrir ce qu'il fait, allez voir son compte. C'est l'Alain Twitch. Il est exceptionnel. Donc vraiment, allez le voir. Ah oui, c'est vrai que maintenant, je sais faire des shout-out. Mais Twitch, vous connaissez, c'est surtout TikTok qui me demande. Normalement, là, c'est bon. Ah bah, j'avais oublié l'âge. Et après, si vous aimez bien ça aussi, avec de l'humour, pareil, donc de piéger des escrocs, alors là, c'est pas des brouteurs, c'est des fausses plateformes de support Windows, Microsoft, Avast, ce genre de choses. Vous pouvez suivre Cento, C-E-N-T-H-O, qui lui aussi se fait passer... Oh, lui, il se fait passer pour plein de personnages, mais surtout pour Mamie Grimaud, Géraldine Grimaud. Donc, voilà. Vous pouvez aller le suivre. Après, je pense que si vous êtes là, je n'ai vraiment pas du tout besoin de vous faire de la pub pour Sandoz, parce que si vous avez atterri ici, c'est que forcément, vous connaissez Sandoz. Et j'ai vraiment pas besoin de vous dire ce qu'il fait, parce que vous connaissez déjà tous son taf. J'adore Mamie Grimaud. Il y en a plein sur TikTok qui te connaissent, hein, Cento. «
Oui, Sandoz, c'est le tout premier que j'ai suivi. Oui, Sandoz, ça fait un bout de temps hein, qu'il fait ça. Qui ça qui me connaît? Quelqu'un de TikTok. Ça, c'est faux. Je t'ai connu, toi, et après, tout ce petit monde grâce à toi. Oh, bah alors là, quelle flatterie! Élise, dis donc. Bah, dis donc, de me connaître moi en premier pour ensuite connaître tout le restant, c'est top. Je suis flattée. Je ne connais que toi, malheureusement. Il faut savoir que je suis pas seule à faire ça. On est toute une équipe à faire ça. Alors, vous attendez pas à ce que ce soit comme moi, parce qu'on a tous un style différent, on a tous un humour différent, on a tous une manière d'opérer qui est différente. Et quelque part, tant mieux, parce que sinon, ce serait très rébarbatif pour vous et ce serait très ennuyeux. Oh là là, il y a Marie qui a répondu: tu m'as impliqué dedans ce que je ne voulais pas, José. On va remettre le bruit du métro. Je vais lui refaire un vocal. Attendez, c'est dans quoi déjà? Je sais jamais. Non, c'est pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans. Ouais, c'est là. Non, c'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Alors, t'es où, Marie? Ce serait peut-être mieux que tu restes encore quelques petits jours en Côte d'Ivoire. Comme ça, c'est sûr qu'ils ne se trouvent pas et on attend que... Bah déjà, le feu de la mairie, il s'éteigne. Et après, bah, ils oublient un petit peu cette histoire. Ce serait peut-être mieux si tu restais encore un petit peu en Côte d'Ivoire, mon amour. Moi, j'ai connu Sandoz sur YouTube, puis sur Twitch, puis Aki, c'est trop... L'Alain Darky, finalement, toi, ouais, moi je suis pas là en même temps. Moi, ça fait que 3 mois que je fais du stream, donc je suis la petite dernière. Non, maintenant il y a Enid Name aussi. Il y a une autre femme qui s'est lancée aussi dans le scam betting. Ah, je crois que mes enfants vont se coucher. De toute façon, je pense en rester là pour ce soir. Parce que plus je parle et plus j'ai la gorge qui. Tu dois me tirer de cette affaire. José, j'ai trop de problèmes. Tu ne dois pas dire où je suis, tu sais. Oh là, faut que je refasse un vocal. Non, je vais pas refaire de vocal, il y a ma fille dans les escaliers. Vous pouvez voir la lumière derrière qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. J'attends, excusez-moi. Il est en panique, bien sûr qu'il est en panique. Habibou, tu vas au lit? Si, si. Allez au dodo, ma chérie. Oui. Allez, au dodo. Allez, ma puce. Un instant. On va mettre comme ça, je vous mets Géraldine, j'arrive. Non, tu te plantes pas sous mes robes. Non, tu lâches les robes de maman et tu viens dans mes bras. Oh, viens là, ma saucisse. Allez, c'est l'heure du dodo. Bonne nuit, baby. Tu dis bonne nuit. Papa, il lui a dit c'est Eline ou c'est papa qui te couche? C'est bon. La crapouillette est couchée. Ça, le micro est resté ouvert, ça peut
permet de connaître l'ambiance à la maison. Mais c'est une ambiance familiale, hein, c'est... Oublie pas le débat sur Europe 1. Je enverrai peut-être la prochaine fois, parce que là, je vais arrêter, parce que je... j'ai de plus en plus de mal à parler. Je vais juste faire un dernier vocal, en lui disant que je reste bloquée dans le métro. Je leur dirai rien, Marie, je te promets. De toute manière, ils mourront pas, je reste cachée dans le métro. Quitte à dormir dans le métro pour retourner chez moi demain. Mais ils mourront pas, ça, je te le promets. Voilà. Ah, j'ai la gorge. Si ta fille est sage, je t'envoie une histoire pour elle. Ma fille. Sage. On est en train de parler de ma fille. Avec une mère comme moi, comment veux-tu que mes gosses soient sages? Et au bout d'un moment, faut être réaliste, en fait. Faut pas s'attendre... moi, il n'y a pas d'enfants sages, moi. Moi, il n'y a que des enfants pleins de vie, complètement cons, qui font que des conneries. C'est... Ils sont à l'image de leur mère, hein. En même temps, les chiens font pas des chats. Ok, José. Bon, bah là, c'est bon. Je pense qu'on peut en rester là, les gens. Ouais. Enfin, restez là. Je pense que je vais aller me faire une tisane au thym avec du miel, parce que là... Mais comment c'est possible qu'il y croit? Mais Marir, c'est mon brouteur de rêve. C'est un brouteur de rêve, Marir. On l'aime, Marir. Chipolatata, bienvenue parmi les belettes. Bienvenue parmi les belettes. Eh bien, toutes les gentilles belettes ici présentes, je vais vous laisser. J'ai passé encore une excellente soirée avec vous tous. Encore une fois de plus, on a fait absolument n'importe quoi avec Marir, hein, de façon pour changer. Marir, on lui fout la misère. Hein. Prochaine étape, l'arrestation, ensuite le placement dans un asile. Vivement les prochaines étapes. Ils choperont pas José. José, il est... On peut pas le choper. Maintenant, petite question pour Twitch. On raid qui? Comme d'habitude. Je voulais choisir. En attendant, je vais faire un bisou à tous ceux de TikTok. Mes belettes de TikTok, je vous fais à tous des énormes bisous. J'espère que vous avez passé une aussi bonne soirée que moi à raconter à nouveau n'importe quoi à José, à Marie, avec José. Comme je l'ai expliqué, je ne ferai pas de live demain soir, ce qui en soi m'arrange avec ma gorge. Ça y est, j'ai la voix qui déraille. Je ferai sûrement mercredi soir. On t'aime. Oh, mais moi aussi, je vous aime. Vous êtes absolument exceptionnels. J'ai une communauté qui est incroyable. Je vous fais des gros bisous. Et puis, de toute manière, je vous tiens au courant si je fais un live mercredi soir. Des bisous à vous tous. Bisous les TikTokers. Et maintenant, vous avez décidé qui vous alliez aider, vous. Encore un live excellent ce soir, merci. Oh, mais merci à toi, Merlochon, d'avoir été là. Oh, Niniste, moi, je veux... Ah, mais il y a Niniste, j'adore Niniste. Allez, on raid Niniste, parce que je l'adore. Elle a une voix qui est ultra apaisante, cette nana, j'adore. Elle a une voix toute douce. C'est une rousse absolument magnifique, avec plein de joie de vivre. On adore Niniste. Donc, on va aller faire un petit coucou à Niniste. Qu'est-ce que vous en pensez? Restez, c'est hyper sympa, c'est une gameuse. C'est une gameuse, donc vous verrez, c'est vraiment sympa. Donc voilà, comme je disais, pas de live demain, parce que priorité au live de l'Alain. Et je referai un live peut-être sûrement mercredi soir. En attendant, je vous fais à tous des énormes bisous. Et je vous envoie, chez Niniste pour le raid. Restez bien si vous voulez les points de chaîne. Des gros bisous à vous tous.